dis je change mon alimentation, parce que les médecins te disent bah non, c'est de la folie. Les médecins te chient dessus quand tu leur dis ça. Pardon pour le cas. Mais je peux comprendre, il y a des médecins qui s'ouvrent, ça, qui commencent à voir qu'il y a un être humain en fait en face d'eux. Et c'est pas que un putain de salaire qui va tomber derrière. Parce qu'il aura payé une sécu, qui est déjà marre pour la sécu, parce que si on regarde bien toutes les dettes de la sécu, il y a un moment de temps, il faudra bien la fermer. Peut-être. Ouais, je ne souhaite pas. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, après, c'est des supplémentations, mais tu vois bien que les médecins, ils changent. Et, donc l'alimentation, ouais, je vois bien sur les effets de mon corps, juste en un mois, ce que ça fait. Quoi. Ouais. Tu te sens en forme, tu t'en souviens mieux. Si tu dors moins, tu dors peu, mais c'est des vrais sommeils. Tu t'endors d'une façon différente, tu te réveilles d'une façon différente aussi. Ouais, enfin, je fais tout un travail aussi quand je me couche d'éviter des mauvaises pensées. Donc, déjà, je n'engrange pas des cauchemars ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est aussi la mise à travail. Et puis, même, tu sens que ton corps, il se régénère. Ouais. Alors, je ne dis pas que je suis un exemple, hein, de manger que du cru pendant un mois, bah. Je pensais pas le faire déjà. Ouais. Et me dire, bon, je saute le petit déjeuner, le petit pain au chocolat, tout ça, c'est, j'adorais. Finalement, c'était plus facile à sauter. Puis après, le repas du midi, bah, au début, j'ai commencé par une clémentine que je mangeais, puis voilà, ça m'avait calé. Je tenais jusqu'à 17h. Puis après, à 17h, tu te dis, bon, je vais tenir une heure ou deux. Bah, oui. Puis je m'en fous, je suis célibataire. Donc, oui, on n'est pas régi par le comportement de quelqu'un qui est avec toi. Ouais, si j'étais en famille, ça serait beaucoup plus dur. Quand j'ai ma fille, voilà, elle me dit, bah, je mange toute seule, bon, alors je suis avec elle, et forcément, t'es tenté de prendre un petit truc. Et... Ouais, ouais. Donc, oui, mais c'est ça, c'est le problème que beaucoup rencontrent. Hein. Conditionnement. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais vivre vraiment comme j'ai envie, et bah, peut-être aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, et puis demain, je sais que ça va être en action. Bah, t'as mis le doigt sur tous les petits détails que j'avais envie d'évoquer, alors du coup, j'ai...